Je tenais à prendre ce début de vidéo pour dédicacer tous les frérots de la chaîne qui seraient de la région des Alpes-Maritimes, voilà. Il y a une région qui a subi la tempête récente de plein fouet, il y a plein de familles et de personnes qui ont tout perdu, leurs maisons, leurs affaires, voire même des fois des proches. Donc voilà, petit début de vidéo pour dire on pense à vous, force à vous, ça se trouve il y a personne qui le verra, mais le geste est ici et vous êtes dans nos cœurs. Y'a plaît pas, vous allez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je le veux! Je le veux, ça y est, c'est bon, on va pas commencer à partir sur 3 minutes d'intro. Je veux un streak en particulier. Je le disais déjà dans ma dernière vidéo, c'est quelque chose qui, tu vois, en allant dormir, j'ai pas pensé à un cul et je me suis pas réveillé avec la trique parce que j'ai eu des rêves érotiques. C'est parce que j'ai rêvé que j'avais un Adav, frère. J'ai rêvé que j'avais un Adav. Call of Duty me pourrit ma vie, gros. Hier, dans la vidéo, je vous ai dit que je jouais des Adav. Et ces 3 dernières vidéos, je n'ai pas eu d'Adav malgré des bons gameplays. Je trouve que les gameplays étaient bons. Y a pas besoin nécessairement de faire une série de 150 milliards de kills pour avoir un gameplay décent. Mais aujourd'hui, mon but, c'est d'avoir un Adav. C'est le but de cette vidéo. C'est pour ça qu'elle s'appelle Je le veux. Donc, trêve de blabla, on va aller directement in-game. Je me suis fait une petite classe qui change, hein. On va pas jouer à la S-Val tout le temps. Ça fait déjà 3 vidéos à S-Val lors de ces 5 dernières, qui est quand même, ma foi, pas mal. Objectif Adav, on l'a aujourd'hui et rien d'autre. C'est parti. Oui, mesdames, messieurs, les Français, votez pour Zach, votez pour Zach. Les élections présidentielles arrivent. Je suis en train de taffer mon programme, hein. Mon programme présidentiel qui va consister à faire en sorte que les Français retrouvent leur dignité et s'achètent aussi une paire de couilles pour pouvoir dire à Zach, bande d'enfoirés, Zach, tu joues à la S-Val. En fait, je lis beaucoup mes commentaires YouTube. J'aime beaucoup lire mes commentaires YouTube et voir les inepties qui s'y disent des fois. Et en ce moment, il y a... Il y a un paquet de frérots... Il y a un paquet de frérots dans les commentaires, mais il y a aussi 2-3... personnes un petit peu aigries, qui, je l'avoue, me font un petit peu rire. Mais avant d'attaquer ces personnes des commentaires YouTube, nous allons attaquer d'autres personnes et aussi préciser qu'on n'est pas là pour jouer l'objectif ou alors gagner des parties, d'accord? Ce n'est pas le but d'une game de points stratégiques, d'accord? Le but d'une game de points stratégiques, pour moi aujourd'hui, ça va être de débloquer la DAV. Une fois que j'aurai débloqué la DAV, je pourrai considérer ma mission comme réussie. Side 5. Non, série de 4 toujours. Oh, j'ai fait tomber quelque chose. Série de 5! Série de 5, baby! Série de 6, baby! Allez! Je le veux! Je veux cet Adav! En ce moment, vous le savez, je suis retourné vivre à Lyon, je vis avec ma meuf, on a refait toute la déco de chez nous, tout ça, machin, c'est propre, j'ai refait tout mon setup, bref. Je vais pas vous faire de la masturbation intellectuelle pendant 150 ans avec ça. Fuck! Regarde! Je me fais avoir dans le dos, c'est pas de chance! Quand je vous dis que j'ai pas de chance, les éléments se réunissent pour pas que j'ai mon Adav! Un Adav! Adav! Un streak! L'avion! Le pire, c'est qu'offline, j'arrive souvent à l'avoir, c'est que en vidéo qu'il m'arrive des couilles, là. Ah, là, c'est pas la S-Val, là, je peux pas tirer à travers, frérot. Et donc, du coup, vu que j'habite à Lyon, mais que j'ai quand même du travail à Paris, voyez-vous, le capitalisme fait que je fais des allers-retours à Paris de manière un petit peu incessante. Ça ne me dérange pas, hein. Le TGV, c'est que 2 heures de voyage, tu vois, 4 heures aller-retour pour aller à la capitale. C'est pas hyper contraignant, on va dire. Surtout que, bon, tu connais le Zach, il y va pour des raisons financières très justifiées. Let's go! Et donc moi, tu vois, je suis ce qu'on appelle un bon samaritain, c'est-à-dire une personne qui aide les autres. Alors je sais que normalement, les vraies personnes qui aident les autres et qui ont le cœur sur la main, elles ferment leur gueule, elles parlent pas sur leurs actes, mais moi, c'est pas pour me la racler, c'est pour raconter une anecdote un petit peu marrante. Donc du coup, l'autre jour, je suis dans le train, et les trains en ce moment sont assez vides. Franchement, je suis honnête avec vous, les trains sont assez vides en ce moment, il n'y a pas grand monde qui les prend. C'est un petit peu un plaisir, hein, parce que, en plus, la SNCF, ils sont trop gogoles, parce que t'as 8 wagons, eux, ils remplissent... Aïe, 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 aïe. La SNCF, ils remplissent un wagon, puis celui d'après un peu, puis celui d'après pas du tout, et puis voilà. Donc en plein coronavirus, tu te retrouves avec un wagon plein, un peu plein, un pas plein, enfin c'est vraiment... Tu sens que c'est une meuf à l'organisation, tu vois. C'est misogyne, c'est sexiste, je rigole, c'est bon, c'est... Aïe! Blague de mauvais goût, voilà, le karma me rattrape! Et donc l'autre jour, dans mon wagon, il y a un mec, il arrive avec un... Aïe, 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 ça c'est ma... Oula. J'ai failli mourir à cause de ma sensi. J'ai failli mourir à cause de ma sensi, je vous le dis là. Oh, lui il est nul. Est-ce qu'il est nul? Il était nul, même s'il m'a touché une fois. Donc j'arrive et il y a un mec avec un carton télé, un carton de télé,
qui fait facile, genre 1m50, tu vois. Donc moi, je me dis, ok, le mec est monté à Paris, peut-être qu'il a trouvé une belle offre et tout, il a acheté une télé, il la remonte à Lyon. Enfin bref, moi, je suis pas là à juger la vie des autres, donc why not, tu vois. Enfin, si je juge la vie des autres souvent, c'est mon fond de commerce sur YouTube, hein, c'est comme ça que je vanne les gens souvent, mais faut pas le dire, sinon on va m'en vouloir. Série 3, attends, on descend avant de vous raconter. L'anecdote du carton télé, comme je l'ai appelé. Donc j'arrive, le mec a son carton télé, on est que 4 dans la RAM et tout, donc je me dis ok, au calme, c'est bon, y a pas de souci, tranquille. On arrive à Lyon, et là, à Lyon, le type galère un peu à porter son truc, tu vois. Genre, il galère, franchement, il a un peu de mal, moi je me dis ok, vas-y, tu sais quoi, toi t'es un grand, t'es un peu gros aussi, on va dire que... Tu as de la force dans les bras, série de 5 mais tu vas aider ce jeune samaritain à sortir son carton télé. Donc tu vois, je vois qu'il galère un peu, je vais vers lui, je commence à le porter. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand son carton télé était ouvert. Et là, je me dis, what the fuck, sa télé, c'est risqué quoi. Je me permets de jeter un coup d'œil à l'intérieur, j'avoue que j'ai ce qu'on appelle une curiosité malsaine. Voilà, j'aime bien regarder comme ça, tu vois, c'est l'heure des choses, ça m'attire l'œil, je suis curieux. Donc, ouf, je suis en série de 6, là, faut pas que je me chie dessus. C'est la 3 ou 4ème série dans le même style, là faut pas que je meure maintenant. En plus on est en train de perdre. Série de 7. Série de 7 baby. Un kill, c'est bon, attends, je me concentre. Concentration. Non. Fils de pute, j'ai perdu mon duel, je me suis chié dessus. Je suis nul. Il est venu me tuer à la secondaire en plus. Je vous jure que j'ai trop stressé, je vous jure que j'ai stressé. Je suis honnête avec vous, j'ai stressé. Là je stresse pas. Là je mets des doubles faciles parce que c'est pas le dernier kill décisif. Putain, Zach a un coulis de merde le long de la jambe gauche. Donc je vais pour l'aider à porter, son carton est ouvert, je regarde à l'intérieur et là, le carton est ouvert, il n'y a pas de télé dedans. Mais genre, il n'y a pas du tout de télé, il n'y a pas le signe d'une seule télé, tu vois. Je me dis what the fuck, je regarde à l'intérieur et qu'est-ce qu'il y a? Du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux carton télé? Il y a des affaires, des vêtements, frère. Gros, il y a... Dans son carton télé, il y avait des sables Quechua. Il y avait des sables Quechua, gros. Enfin, quand je dis sables Quechua, j'en sais rien, j'ai même pas vu la marque. Mais en gros, il y avait des sables. Et là, je me suis dit, mais attends, nous, on vit en 2020. Lui, il vit en 2220. Le type transporte ses affaires en carton télé. Et là, j'étais quand même assez fasciné. Alors, j'avoue, à un moment, je me suis dit, peut-être que, tu vois, c'est un SDF ou une personne en situation difficile, tu vois, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas de sac, tu vois, quelle est la raison tangible et valable pour laquelle cette personne n'aurait pas de sac à dos? Parce que c'est quand même un petit peu plus pratique que le carton télé pour transporter des vêtements, on va pas se le cacher. Aïe, 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 c'est très risqué ce que j'ai fait. Ah yes, let's go, série 3. Franchement, c'est un truc de ouf parce que je suis en train de... Je vais être honnête avec vous, je suis en train de rock cette game, je mérite un ADAF, je le veux! Et donc vraiment, il y a des vêtements dedans, je l'aide à le transporter, le mec c'est bon, il part, etc. Là je me suis dit ok, c'est bon. Juste, je n'ai pas trouvé de raison tangible pour laquelle le mec porterait ses affaires avec un carton tellier au lieu d'un sac à dos. Voilà, c'est tout, c'est les anecdotes de Zach. Vivez ma vie de mec qui prend le train régulièrement. Donc là, on va commencer à s'attaquer à la partie commentaires YouTube. Les commentaires YouTube en ce moment, que des frérots. Que des frérots, vraiment. Il y a juste quelques personnes qui sont pas contentes. Bon, qu'il y ait quelques personnes qui soient pas contentes que je joue à la S-Val, pas de soucis, ça me dérange pas, c'est la communauté code. De toute façon, au pire, c'est... Oh, au pire, ces gars-là, je les emmerde, tu vois. C'est pas grave. Les gens savent que je m'en bats les couilles de jouer avec des armes cheatées et trucs comme ça. Moi, ce qui me fume, c'est quand quelqu'un a d'une eu le culot de dire « Ouais, vous sucez les influenceurs quand c'est les gens qui sont à la S-Val, vous dites rien, vous les taillez, puis quand c'est les youtubeurs, quand c'est Zach, vous le sucez. » Et moi j'étais là déjà, alors non. Dis pas que ma communauté me suce, hein, ma communauté ne me suce pas. Vous êtes les premiers à me défoncer quand il le faut, et vous avez bien raison. C'est une genre de relation un peu difficile qu'on vit entre nous, vous voyez. Et dans un second temps, quand il y en a sur ma vidéo d'hier ou la vidéo d'avant-hier, qui ont dit que le titre était putaclic, mais moi j'étais là, mais les gars, à un moment va falloir vous remettre en question. Va falloir vous remettre en question. Oh là là, attention, il y avait quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Là, il est juste à ma droite. Il est en dessous. Ok, c'est bon, il s'est fait tuer. Quelqu'un d'autre au mid? Oui, quelqu'un d'autre. Non, trois personnes au mid! Je vais jamais faire plus que série 4. Le pire, c'est qu'on va... Oups, bon shoot. C'est pire, c'est qu'à la fin de la game, j'aurai un gros score, hein. Je vous l'annonce, à la fin de la game, j'aurai un gros score, mais je galère. Je galère pour un... Ah, je galère devant un bad streak. Donc, les gars, déjà d'une, va falloir vous remettre en question, vous. Pourquoi? Parce que
Excusez-moi, déjà, je me sens coupable, c'est pas un titre putaclic. Je me sens coupable de quoi? T'as cru que j'allais te dire quoi? T'as cru que j'allais t'avouer que je suis Marc Dutroux? T'as cru que j'allais te dire une dinguerie? Mais les gars, y a un petit thème, ok? C'est le fait de jouer avec une arme cheatée. Je me sens coupable de jouer avec une arme cheatée. Ce n'est pas putaclic! Déjà, dans un premier temps, c'est pas vrai. Et dans un second, si vous-même vous cliquez plus sur ce genre de titre, au bout d'un moment, c'est vous qu'il faut vous remettre en question. Oh, c'est quoi ça? Genre, hier, la Minia ou les trucs, c'était. Oh, c'est des trucs qui ont facilité votre clic. Je me sens coupable, c'est ça, c'est putaclic. Donc là, au bout d'un moment, faut arrêter de nous accuser de tous les mots, hein. Mes titres ne sont pas putaclic, ils ont pu l'être, je le reconnais, hein. Je vais pas non plus mentir, j'ai déjà fait du putaclic. Mais je refuse qu'on me traite de putaclic sur ce genre de titres. En ce moment, j'essaye d'être clean et de me focus sur la qualité de mon contenu et d'avoir des titres et des minias tranquilles. Et pas parce que Jean Masturbin, qui croyait que j'allais lui avouer des dingueries, vient de me dire c'est putaclic. C'est pas vrai. En attendant, je parle, je suis en série de 6 là. On va monter au top, il me manque 2 kills. Fils de pute. Série de 7. Allez, on calme. Zach, calme-toi. Calme, Zach. Je vais me mettre là. Oh. Le vol. Je me suis fait voler un kill. Et j'ai plus de munitions. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde, j'ai plus de balles. Oh, Let's go, Adav! Enfin! Je le voulais et je l'ai eu! Je le voulais et je l'ai eu! Fuck sake! En plus, on va gagner la game. Regardez, j'aurais même pas le temps de l'envoyer. Attends, juste on l'envoie pour la farm. Hop, c'est bon, je l'ai envoyé. Let's go! Je suis trop heureux, putain! Let's go! Je me hype énorme sur Adadav, mais je me hype quand même, je suis content! Je suis refait! 42-11! Ça, c'est du gameplay! Pas besoin d'ASVAL, pas besoin de rien! Je me hype énorme! Et ouais, les gars! Ouais, bah, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, petit pouce bleu. Encore une fois, s'il y a 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous fais une vidéo MW3 avant ce week-end. Voilà, on commence à opérer comme ça aussi. Personnellement, ça me fait plaisir d'être là en ce moment. Et je vous dis à la prochaine, les amis! Bisous!